What's up, gens de l'internet? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en compagnie de personne parce que j'ai pas les biens aujourd'hui, on est sur SkillPP. Encore une fois les amis, vous êtes pas tannés de voir les vidéos sur SkillPP. Tabarnak, ça fait genre exactement 37 vidéos sur SkillPP. Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Parce qu'à la base, les amis, je devais vous faire une vidéo comment bien protéger votre cœur. Mais le problème, c'est que la technique que je vous ai montrée, dans le fond, que j'ai rec, en fait, j'ai déjà rec, elle est interdite, donc c'est un peu ça le problème en fait, c'est que la truc est interdite et il n'y a pas que ça en fait. Le fait qu'elle est interdite, faut que j'attende de poster ma vidéo. L'admin m'a demandé d'attendre avant de poster la vidéo parce que en fait, si je vous la montre, ils l'ont pas patch maintenant. Ils vont être patch dans la prochaine mise à jour. Donc faut que j'attende la prochaine mise à jour avant de vous release cette vidéo là. Fait que là ça a un peu niqué mes plans, parce que mon plan c'était vraiment vous montrer, de vous faire une vidéo pour comment bien protéger son cœur. Il y a 2-3 techniques que je voulais vous montrer, mais je peux pas vu qu'il y en a une des deux d'entre elles qui est interdite. L'autre c'est celle que j'utilise pour ma base. Donc je veux pas vous montrer vraiment la protection que moi j'utilise. Puis donc voilà, je suis un peu niqué là dessus. Je voulais vraiment faire cette vidéo là. Mais bon, ça va être reporté parce que les amis ne veulent pas que je la poste. Et je comprends. Parce que la façon, le cœur que j'ai trouvé, comment le protéger, c'est impillable, les amis. Il n'y a aucune façon qui soit pillable. C'est entouré de bedrock puis tout. C'est genre vraiment insane, là, tu sais. Je vais vous laisser deviner dans les commentaires c'est quoi. Mais je vous donne un indice. Le mot bedrock. Vous allez peut-être comprendre, peut-être pas comprendre. Mais il y a une façon d'avoir un cœur impillable et... Et pour le coup, ça a le rapport avec la bedrock. J'en dis pas plus, je vais faire une vidéo là-dessus plus tard. Donc, la vidéo qui suit finalement, c'est une petite vidéo aujourd'hui. Donc, j'espère pouvoir avoir quelques séquences de PVP, gambling ou des trucs comme ça. D'ailleurs, vous allez voir, mais il y a eu une séquence d'un PVP gambling où une personne a utilisé un bug. Je vais le signaler quand même à SkillPP après que la vidéo soit sortie. Mais en gros, si tu te fais crash ou lag ou... à l'arène, t'as un esti de gros avantages sur les autres. Genre, vous allez voir dans la vidéo, le gars il lag de fou et moi je peux pas le taper. Genre, je le tape, mais mes coups registrent pas. Et lui, quand il me tape, ses coups registrent x2. Donc, c'est un peu dommage parce que j'ai perdu quand même des bot space. Mais bon, regarde, c'est la vie, hein. Je veux dire, parfois c'est des choses qui arrivent. On peut pas vraiment en. Comment dire, on peut pas vraiment en faire quelque chose. J'espère vraiment juste que si la personne dépasse les 100 MS ou quelque chose comme ça, ou je donne un exemple tout con, mais qu'il trouve une solution à l'arène PVP pour pas que tu lagues. Genre, faudrait qu'il vérifie ton ping. Si t'as un ping trop élevé, tu peux pas rentrer dans l'arène, par exemple, tu comprends? Quelque chose comme ça, parce que vraiment, c'est un esti de désavantage. Ensuite, on a eu, durant mon live, un énorme don. Donc, je vais vous laisser voir ça dans la prochaine séquence aussi. Et je vais terminer avec, comme j'ai dit, des séquences, soit du PVP gambling, je sais pas trop. Mais ça va être pas mal ça la vidéo d'aujourd'hui. C'est un peu des petites séquences qui me restaient de côté depuis quelques temps. Et puis, ça a niqué mes plans en fait, parce que la vidéo des bases, comme j'ai dit, elle devait sortir aujourd'hui. Donc, ça m'a un peu niqué. Mais bon, je vais quand même vous présenter ma farm dans la prochaine vidéo, ainsi que mes richesses dans la prochaine vidéo. On va aussi, dans une des prochaines vidéos, on va aussi vous parler de la saison 2. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va changer peut-être. Mes idées pour améliorer le serveur. Et puis, après ça, j'espère qu'ils vont avoir sorti la mise à jour pour que je puisse vous parler de la base impillable. Donc sur ce, je vous laisse sur les séquences que je vous ai parlé. Je vous aime, désolé d'avoir blablaté. Laissez un pouce bleu. Si on était les 300 pouces bleus, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Ouais. Mais non, mais c'est un mytho. Non, Econ, c'est pas ça. Ah, Econ, c'est ça. Il l'a fait, il a pris des bot space, il est allé dans l'arène, j'ai vu, et après je l'ai pas vu. C'est pas, c'est. Non, il est dans une arène en bas alors. Non. Parce qu'au-dessus, c'est un vieux fight de gladiateur là. What the fuck, il cheat les gars. Il lag, il se fait lag en fait pour gagner. C'est que ça va. Ok, ok. Ouais, je vois. Il triche à l'arène. Ah, c'est dommage. T'es mort bot space? Ouais, c'est pas grave. Dommage que t'as besoin de te faire lag pour gagner du stuff. 10 euros que le gars il donne pas ça. Hein. 10 euros que le gars il donne pas ça. Vous n'avez pas assez de place. Ok, maintenant j'ai assez de place. 100% qu'il accepte pas. Il va quitter. 100%. Il y a personne qui est assez fou pour me donner ça. Ok, vas-y. Vas-y, après quand il va rester une seconde, il va quitter. On parie combien? What? What the fuck? Il a même pas quitté. What the fuck? What? 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 Ok. Bon ben. Merci, hein. Non, t'inquiète, j'ai pas de problème dans la tête. What the fuck? Tu lis? Pourquoi il me donne tout ça, man? Je veux avoir plus d'informations. What the fuck?
Non. What the fuck? Merci infiniment, en tout cas. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. What the fuck? Je sais pas. What the fuck? 10 métiers. Je sais même pas ce que j'ai eu en fait dans tout ça. Attends. Ok, il nous a donné un casse P4. Il nous a donné des jambières space, des trucs comme ça. Ça, j'ai pas besoin du P4 Senna. Les 18 creepers, c'est good. Des pumpchis, c'est toujours bon. 10 métiers. 42 tita. Une space. Une skill pickaxe. Ok, ok. Je pense, je sais comment il y a eu ses affaires. Il y a eu ses jambières dans un skill bag. Ok, tu me dis si je me trompe, hein. Il y a eu ses jambières dans un skill bag, il y a eu ça aussi dans un skill bag, il y a eu les pièces dans un skill bag, et puis la loupe dans un skill bag aussi. Il y a eu sûrement les pommes d'or, les creepers, les hill sticks. C'est sûr, tu sais pourquoi? Parce que les 10 euros, qui... Ouais, il m'a donné... Ah, ok, non, c'est pas, j'ai dit que j'avais parié 10 euros. Ah, merde! Il y a plus long, on va faire un 1v1 gambling pour un bloc de titacite avec notre ami Hydrax. En espérant qu'on gagne, si on perd, je vais juste pleurer ma vie. C'est pas très grave, hein, je veux dire, je vais pleurer, mais c'est tout, quoi. Je vais pas aller me suicider. Ben, peut-être, mais en tout cas, on en parlera plus tard de ça. Là, on a l'avantage pour l'instant, mais tout peut changer dans un PvP gambling. Aussitôt qu'on a un petit coup de lag ou quoi. Comme là, vous voyez, mes cœurs ont descendu d'un coup, mais je pense qu'on a gagné. Donc on s'est fait un bloc de tita, donc 9 tita en plus, c'est plutôt bien. Bon jeu à toi, je vais lui écrire quand même. Hein. J'ai full crash FPS. Moi aussi, c'est vraiment mal optimisé, je trouve, des arènes PvP. C'est dommage, mais c'est pas grave. Au moins, on a gagné un bloc de tita, ça fait plaisir. Ok, les amis, on va jouer contre le grand collimateur. Collimateur, je sais pas quoi son pseudo. En espérant que lui il se fasse pas laguer comme l'autre d'avant. Non, lui il est vraiment bon PvP par exemple, faut pas se mentir. Il est vraiment doué ce petit bâtard. Il est vraiment doué ce petit bâtard. What? What the fuck? Vous avez vu pourquoi j'ai freeze comme ça? What? Pourquoi j'ai freeze comme ça? Je l'aurais tué sinon! On va faire un 1v1 contre E2X pour 2 space. Donc. Je sais pas, je pense pas que c'est comment. Je pense pas que c'est comment rejoindre un esti d'affaires. Calice! Ils sont crissement tardés les gens dans ce serveur là. Hein. E2X, tabarnak! Tu sais pas rejoindre le PNJ, sacrement? Asti, il est-tu vraiment cave de même? Message E2X, join le calice de PNJ. Oh, il est-tu cave? Bachina, petit couteau, collimateur, E2X. Bon, calice! C'était pas compliqué, sacrement! 2 space, les amis. Message. E2X. Fait. Stage groupe. Accept. Esti. Esti qui est attardé, cet enfant-là. Esti, je vais le tuer, calice. M'a le tuer, calice. Refuse. M'a le tuer, le tabarnak. Esti. M'a le tuer, lui, avec, calice. Es-tu capable de faire un nasty d'affaire? Ok, message E2X, fais-moi en un. Chris d'imbécile. J'ai jamais vu quelqu'un aussi con que ça dans toute ma vie. Bon! Bon, E2X. Bon! Enfin! Asti! Après 30 minutes, calice, il était temps! Il triche, c'est bon. Il triche, c'est bon. C'est de la triche! Ok, les amis, comment perdre une part de bot space en laguant encore une fois au spawn? On est prêt, let's go. On va encore lag, on va encore perdre comme d'habitude, hein. Parce que de toute façon, il faut bien perdre tout notre stuff de toute façon, hein. Ça sert à quoi d'avoir du stuff sur ce serveur-là, hein. Pour que tu lagues dans une arène, puis que lui te mette des doubles coups, puis pas toi. Là, tu comprends pas pourquoi il te met des doubles coups. Oh, c'est de la merde, calice. C'est vraiment de la merde, ce jeu-là. Vraiment de la merde. Allez, salut!